chercher Tichokang tout le matin. Regardez-le à quelle heure. Prenez notre regardez-le. Depuis 6 heures qu'on a rendez-vous, regardez-le. Je suis même dans mon téléphone depuis. Ouais, depuis le temps d'avoir quelqu'un en train de parler, c'est dans mon téléphone. Ah, c'est mon gars, il m'a envoyé un message. Eh, hey, mon bébé, il m'aime trop, je l'aime. On mange et met là. Attendez, on va ici là. Va marcher vite, on part où t'es tranquille. On part où comment? Passe comme ça là. Ok. Comment on voit ça même? Ouais, marche vite, non. Ok. Ouais, ne marche plus, ne marche plus. Ouais, parce que tu fais vite, on part où? Ouais, marche d'abord. Non, ouais, ne passe plus, je ne vois pas. Comment ça me marche plus, sinon? Non, ouais, ne c'est quoi avec toi? Tu ne peux quand même faire marcher les fruits là. Et que tu as possédé. Non, je ne pars plus, laisse-moi. On part où? Brenda, marche. C'est un quelle histoire. Tu es en train de m'aménager le marabout. Tata qui moi ne fréquente pas les marabouts. Je ne suis pas dedans. Ouais, pardon, tais-toi. Je ne parle pas. Dis à Brenda, tu aimes ta vie. Tu aimes ta vie. Ta maman, regarde-toi. Regarde comment tu es habillée. Pourquoi tu n'aimes pas ta vie, maman? C'est quoi ça? Regarde ton habit. Regarde tes cheveux. Enfin, mais regarde comme si elle allait caca sur moi. Tiens, maman, regarde-moi un peu. Non, causons sérieux, chérie. Hein. Regarde un peu. Pourquoi tu ne veux pas te mettre à l'aise comme toutes les autres filles? Tu es une belle fille, mais tu te négliges. C'est pourquoi tu te négliges? Parce que tu ne veux pas travailler ton cerveau. Tu n'es pas réfléchi comme une fille normale de ton âge. Réfléchis. Tata Kim, c'est même comment avec toi, non? C'est commandant. Tu fais quoi avec les pauvres gars? Hein? Tu fais quoi avec un pauvre mon gars? Mon gars est pauvre. N'est pas pauvre. Mon gars est riche. Il est fort en fait. Il n'a pas l'argent sur le banc. Mais il est fort. Fichon quand? Laisse-moi ton cerveau au village. Fesse. Mon gars est pauvre. Il est fort en fait. Regarde comment tu t'habilles. Regarde une jeune fille de ton âge. Regarde tes cheveux. Les cheveux sont comme ces sous-t'ont rendu visite toute la nuit. Toute la nuit. En tout cas, Brenda, il y a un gars qui m'a dragué hier. Mais je vais te donner le gars là. Oui. Ça, c'est important. Moi, j'aime mon gars. J'aime mon gars. Mon frère, tu aimes quoi, c'est la pauvreté? Quelle pauvreté? Qui t'a dit que mon gars est pauvre? Il m'a jeté ça. Il m'a offert ça comme cadeau. Tu dis que mon gars Brenda, est pauvre. Brenda, tu as la machine que tu as amassé. On ne vend pas ça. On partage. On vous dit ça comme ça, il y a un ramasse. Il m'a jeté ça. Pourquoi qu'il a jeté ça 120 ou 150 Brenda. Comme ça? Laisse-moi, mon gars n'est pas pauvre. Ma fille Brenda, tu veux être comme toutes les autres filles, non? Le gars que je te présentais sort de l'Amérique. Son père, c'est un diplomate. Sa mère est ministre. Mais avant que tu te présentes le gars en anglais, bats-moi ton idiot de pauvre là. Qui s'appelle pauvre? Bah ton gars qui est pauvre, qui ne te donne rien, qui ne sait même pas t'habiller là. Je bats Apollinaire. Regardez-moi le nom. Le gars que vous te donnez, non, s'appelle Michael Will. Ça, c'est le nom, c'est quoi, papa? Michael Will. Beau, mignon, élégant. Comment toi tu veux que je bats Apollinaire? Comment toi tu veux que moi je bats Apollinaire? Brenda. En même temps. Tu ne veux pas l'argent. Raison, mais... Pardon, même appelle. Quoi? Pardon, t'as venu. Je t'appelle même. Non, mais je vais l'appeler. Donne-moi mon téléphone. Là, décroche, parle. Allô? Bébé, de quoi? On te bat. Oui, je te bats. C'est quoi qu'un gars? La seule richesse qu'il a, c'est la force au fait. C'est comment même? Pauvre type. Pauvre, pauvreuse, pauvreuse. Ne cherche plus jamais Brenda. Oui, ne me cherche plus jamais. Toi et moi, non, c'est fini.
sorti de son village. Si je trouve un gars qui... Laisse-moi. Si je trouve un gars qui... Pardon. Tu es libérée de la pauvreté. Tu es... Pardon. Il nous attend. L'homme, il nous attend. Tu es libérée de la pauvreté. Eh, ma co. Je ne t'ai pas laissé à la maison en train de laver les assiettes. Tu fais quoi ici? J'ai fini de laver les assiettes, non. Tu as fini de laver les assiettes? J'ai pris un peu de temps pour me balader et venir un peu. Tu vois un peu. Il fait même les mines. J'ai pris un peu de temps. Tu as séché le matelas. Tu veux qu'elle fiche comme ça, non? Tu veux dire aux gens... Fiche de quoi? Tu pisses le matelas. Attendez, ouais, laisse-moi un peu, j'ai mes problèmes de famille. Tu pisses le matelas, tu sors et tu me dis fiche de quoi? Vous pouvez mettre de chat, vous mettre trop. Oui, c'est ici. Oh, attends un peu. Tu t'appelles plus Michael Wins? Michael quoi? Yeah. Michael Wins! Donc c'est comme ça que tu marches en mentant. L'habit qu'on avait cousu pour le mariage de l'autre village. Tu as oublié de venir dire ça ici. On t'a cousu ça. Tu portes ça chaque jour. Tu pisses sur ça, tu sèches. Tu reportes. Tu marches en mentant. Michael quoi? N'est-ce pas l'autre jour, il y a vu le jury. Pisse encore lié. Tu pisses au lit. Je pissais en ligne parfaite. Pisse au lit. En tout cas, Brenda, le gars dont je t'ai parlé là, non, c'est lui ici. Quoi? J'espère que c'est une blague, Tata Kim. Parce que celui qui est placé ici, ça c'est mon cousin du village. Il est rentré du village, ça ne fait même pas un mois, oui. Un mois à peine. Tu veux maintenant oublier de dire à tout le monde qu'il est au village. Tu es obligé de dire ça partout. C'est quoi? Tu es obligé de dire qu'il sort du village. Tu ne sors pas du village, tu ne pisses pas au lit. Tu n'es pas villageois. Même tu pisses sur le gars, il y a les coups sur ton matelas. Reste même là-bas. Tu me parles comme ça parce qu'on est en route. Je te parle. Après, tu as rentré. En fait, quand il rentre là, il trouve que tu as plié tes bagages, tu es parti, tu as quitté ma maison. Chouin, pisseur. Tata Kim. Donc, tu m'as fait barrer mon gars. Genre, je barre mon gars pour venir me faire rencontrer mon cousin. C'est un benguis. C'est si, c'est ça. Mon cousin pisseur au lit villageois. Tu es en train de faire ça. Tu es en train de faire ça, Tata Kim. Ouais, pas de femme, ta bouche, c'est comme ma bouche. Ok. Tu vas te barrer mon gars, mon Apollino. Tu crois que ton gars qui est fort faire, tu vas te laisser avec lui. Hey! Dans ta tête, moi aussi, il n'y a pas mon songer de rang là. Fiche-moi le camp, t'as qui me suis attente. Donc tu calculais mon gars. Tout ce temps, tu l'insultes, pauvre, pauvreuse, donc tu le calcules. Maman est pauvre dans la bouche, mais pas sur les reins. Hey, Seigneur! Tata Kim. C'est pas Tata Kim. Non, pour le camp, je veux tout. Je camp aussi. Ok. Ne me parle pas mal, hein. Ne me parle pas mal, Tata Kim. Tu me connais, là. Tu me connais. Seigneur, me pousse toujours à tuer. Il veut pas tuer. Tata Kim, pourquoi tu ne veux pas vivre? Tu ne veux pas. Non. Il veut te tuer. Il veut t'assassiner, Tata Kim. Tu connais ça? 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 Tu connais
Tu me laisses, il faut Apollinaire. Aïe. Tu me laisses Apollinaire. Aïe. Tu me laisses Apollinaire. Oui, Apollinaire. Merde. Tu prends les yeux de l'un Apollinaire, on te laisse ça. Les yeux comme ça. Donne ton corps. Tu me chouques, tu vois moi chez lui, non. Mais tu te lis. Vas-y. Tu t'as fait ce genre de bouge, tu te souviens. Comme ça, les villageois doivent vivre ensemble. Donc toi que les jets de ronde à Apollinaire, quand tu me trouves, il tourne là, il va tourner ça sur moi. Mon Apollinaire, t'entends qui? Même dans les rêves, il veut te tuer. Même dans les rêves, il veut te tuer. Moi, il veut te taper un jour. Si tu avais la chance que moi, je n'étais pas d'humeur, c'était là. Aïe! Aïe! En même temps, je ne suis pas forte, je suis toujours la première à engager la bagarre. Aïe! Aïe!